Et voilà la salle, avec son charme très atypique. C'est vraiment une perle rare dans le domaine de la réception. On pensait mettre la grande scène à droite, à côté des portes et des tables, un peu partout dans la salle, qu'on enlèverait ensuite pour laisser place au dance floor. D'ailleurs, vous me passiez le numéro du DJ dont vous m'avez parlé, que je prenne ses coordonnées. Voilà le panneau qui est arrivé aujourd'hui. Et c'est tout pour le check d'aujourd'hui. Alors ça va? Pas trop stressé? Là, on n'a pas le temps d'être stressé. Hein. Ah oui, c'est normal. Je comprends. C'est quoi ça, Flo? Quoi? Ton rire là et ton sourire là, c'est nouveau, c'est focus, c'est quoi? De quoi tu parles? Ah non, tu me fais ça depuis des semaines. Je vous laisse. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le lieu qui te plaît plus? Tu repenses encore à ton ex? Alors... Quand on était en boîte, je t'ai vu avec lui. Il était là, Milo, j'allais pas l'ignorer. Mais c'est pas lui qui t'envoie des SMS toute la journée par hasard? Mais ça a plu, toi. Hein, et maintenant tu caches ton téléphone, ça c'est nouveau? Ça va avec le rire, le sourire de merde? C'est à cause du test? Tu me prends la tête à cause des résultats? Mais bien sûr, à cause du test. Les résultats scientifiquement prouvés, bien sûr. Milo, le gars l'a dit, c'est une première version, t'es con ou quoi? Écoute, ne prends pas en compte ces tests. Je te jure, je vois comment toi tu peux t'imaginer des... C'est pas ce que tu crois. Tu vois, t'es content là? T'es satisfait? Tu sais tout là? Tu veux savoir autre chose? Vas-y, pose-moi des questions, je t'écoute là. Je voulais te l'annoncer pendant le mariage. Ça aurait été beau, non? Ah non, 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 parce que si monsieur sait pas tout sur tout, avec l'ego de monsieur, faut que monsieur fasse sa crise, hein. Parce que monsieur a toujours eu tout ce qu'il voulait, et moi, par contre, on s'en bat les couilles, hein. Je peux aller me faire foutre. Tu t'es demandé une seule fois comment je vivais le mariage, la pression, l'organisation? Tu m'as pas demandé une seule fois comment ça allait. Je me sens comme une merde, voilà, à devoir dépendre de toi et de ta famille, parce que c'est eux qui paient tout. Je me sens comme une merde, à pas pouvoir t'aider à écrire ton bouquin, à pas t'inspirer. Mais toi, tout ce que tu trouves à faire pendant cette période, c'est passer un putain de test pour savoir à quel point on serait compatible. Je sais pas ce que ça veut dire, ce résultat, une tierce personne, j'en sais rien. Peut-être que parfois, oui, je pense à mon ex avec qui j'ai passé 6 ans de ma vie. Voilà. Parce que c'est une relation qui m'a aidée, qui m'a forgée, qui m'a construite. Mais c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, c'est de l'affection. C'est toi que j'aime.